Salut à toutes et à toutes, c'est ExoCraft pour la présentation du VK3001P, char allemand lourd, tiers 6, évidemment j'oublie. Voilà, allemand tiers 6, qui a la particularité d'avoir la tourelle du Tiger 1 sur son char et avoir un bas de caisse semi-blindé. Non, parce que blindage caisse, c'est 75 mm. Bon, ce char est assez maniable, ce qui est assez surprenant parce qu'il fait quand même du 30, du 60 km/h en marche avant et du 30 en marche arrière, donc ce qui est complètement l'opposé du Tiger P, le char qui sera après, qui est totalement lent, lourd, bien sûr blindé en compensation. Donc ce char a une bonne puissance de feu, hein. Bon, bah, ça c'est parce qu'il est une grosse différence, parce que c'est quand il n'est pas full, quand il a ce canon. Voilà, c'est quand même un canon ridicule. C'est le canon du Panzer 3-4 qui est juste avant. Panzer 4, je sais plus. C'est un détail. Bon, P, alors, dégâts d'obus standard 165-275, c'est pas mal. Pénétration d'obus standard 109-181 maxi, bon, c'est assez élevé, hein. Pas de problème pour la pénétration. Donc deux, il s'auto-perce facilement. Et même dans la tourelle, il s'auto-perce. Enfin, il se perce, oui, vu qu'il perce à 100 mm. Il n'y a que 100 mm de la tourelle, ce qui est cette partie. Même si c'est une double couche. Encore. Bon. Après cadence de tir 9,1 coups minute, 6,6 secondes de rechargement avec l'équipage à 100%. Je ne peux pas vous montrer parce qu'on ne peut pas. Je vous montrerai sur notre exemplaire. Tourelle 29 degrés secondes, bon, c'est pas mal. Hein. Ça tourne bien, c'est comme un Tiger. Hein. Hop, angle de dépression moins 8 degrés plus 14. Bon, il descend bien, il monte assez bien. De toute façon, il est limité par sa propre tourelle, hein, comme on voit. Voilà, dégâts moyens par dispersion 0,36 et dégâts moyens par minute 1995. Voilà, donc point structure 710, point 710 PV, quoi. C'est assez bien, c'est même très élevé pour un tiers 6. Tiers 6 moyen, je sais plus ce que c'est. Tiers 6, bon, par contre, je vais devoir refaire, bon, c'est pas très grave. Tiers 6, par exemple, le VK, lui, il est à 700, donc oui, c'est assez moyen. Oups, demain. VK, 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 c'est lui. Que je n'ai pas monté personnellement, le replay m'a été donné par Satan pour information. Bon, il est ridicule quand il n'est pas full. Ça, hein, je peux mettre le dernier canon, il paraît. Ah oui, on peut mettre le dernier canon. D'accord, bon, pas bah, ce qui est totalement pas possible parce que je pense qu'il faut passer par la tourelle. Donc, dégâts moyens, voilà. J'ai 10 points structure, donc pas très blindé au niveau de la caisse, hein, 75 mm, même si c'est quand même bien anglais là. Pardon, excusez-moi, ça perce. Poids 38 tonnes. Bon, c'est 38 tonnes, hein, qu'est-ce qu'on y peut. Ça, il a quand même une bonne maniabilité pour un char quand même aussi lourd. 420 chevaux, c'est pas énorme. 400 chevaux. Bon, ça fait 11 tonnes de poids mastic, donc il rame un peu à l'accélération. Dissimulation, bon, elle est un peu plus élevée à cause de la tourelle. Bon, oui. Et détection, il voit à 370 mètres. Il peut spotter jusqu'à 370 mètres, compétence à 100% sans truc supplémentaire, et portée radio 323 mètres, parce que j'ai pas mis la bonne. Voilà, 741, évidemment. Voilà. Donc, l'équipage, bon, évidemment, je vous me montrer par rapport à mes chars, parce que je ne peux pas vous montrer. Par rapport à autre chose, on va prendre l'équivalent allemand, mais lourd, le 75, donc j'ai mis 6e sens. Coup mortel, bélier, bon, théoriquement en tier 6, vous pouvez peut-être avoir votre première compétence. Donc voilà ce qu'il faut mettre. Parce que après, si vous êtes encore, à part si vous jouez bien sûr en bastillon. Bastillon, bataille en équipe, bataille de clan, etc. Si vous jouez votre VK comme ça, moi je conseille pas trop parce qu'il y a des strats sans le VK en clan war, bon après c'est son choix. Oups. Bon voilà le Tiger P qui sera prêt. Donc comme je disais à la tourelle pour. Ah non, on peut quand même avoir le canon tout de suite sans dévorer la tourelle. Donc oui, on peut le mettre directement sur le canon full. Je savais pas. Voilà, donc ensuite équipage, je vous l'ai dit. Description, mignon. Bon là, tout le monde peut l'avoir. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le VK3001P. On va passer au replay. Et voilà.
Voilà, donc c'est parti en replay. Bon, moi j'y étais dessus, mais j'ai eu un bug parce que ce jour-là on était en stream. J'avais un problème de connexion. C'est pas très très grave, donc il a commencé par. En fait, il m'attendait au début, hein. Comme on fait d'habitude. Voilà, bien sûr, tout s'était réglé évidemment. Tout s'est complètement réglé. Voilà, donc au niveau des munitions, j'en ai pas parlé avant, mais les munitions, faut mettre de l'AP, de l'HE. Bon, il a mis un petit peu trop d'HE, bon, c'est pas obligatoire, mais ça devrait être suffisant. Bien sûr, il a son tailleur full, V4 36 ou un P full. P pour Porsche, hein. C'est doute, c'est bien. Voilà, bon, bah, moi j'ai complètement été AFK pendant le. Au début, c'est pas très grave, pas être parfait à chaque partie. Donc comme on le voit, il roule bien hein, par rapport à. Pas vraiment à être comparé avec un Noé. Au début, il fait son sniper. Un parti assez bien équilibré, hein. 56% de victoire. Ouais, c'était que du détail. Donc on ne voit rien évidemment. Donc au début, il passe entre moi. Ça y est, je me suis mis en état de rouler. Et bien sûr aussi pour les consommables, je ne l'ai pas dit, mais il faut prendre ce truc basique, ça sert à mettre des consommables gold en aléatoire. Donc, si vous voulez vraiment, mais si vous avez énormément d'argent, vous avez plusieurs millions d'avance, pouvez-vous le permettre, parce que c'est pas. Parce que je crois que c'est utilisable chaque partie, mais ça dépend quel consommable gold. Donc, je vais bourrer évidemment. Avec mon KV au 122, évidemment, je préfère sortir mettre une grosse patate. De 400 que pour sortir et mettre une petite de 200. Donc on commence. Bon, en fait, je me suis mis là et je me suis fait démonter. Pour ceux qui veulent savoir. Parce que comme par hasard, on les voit pas. Hein. Voilà. Ils bouffent le Cromwell. Pan. Bon, les dégâts, c'est pas dégueu. Hein. 200 chaque fois pour un temps de rechargement aussi court. C'est bien. Boom. Premier kill. Premier blind. Magnifique. Bon, moi je me suis fait défoncer par Tétan KP35 parce qu'il a osé avancer. Donc, voilà. Et puis à la radio, c'est une catastrophe. La radio qui est théoriquement dans la tourelle, mais. Attends. Cromwell, il se prend un coup de jag. Le Audi prend par derrière le jag. Enfin, il prend par derrière le jag, mais. Voilà. Il n'y a plus de jag. Donc le petit Cromwell qui se dit. Oh, il attaque pas. Allez hop. On le sent. Il y a le L4 qui campe. Il est à 50. Un PV, on croirait qu'il mourra, qu'il se fasse défoncer en partie. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Doucement, parce qu'on a si peu de PV. Si on a si peu de PV. Alors, doucement, hop. Sangle, l'insuffisant qui recule. Et bien sûr, ce char est surprenamment, mais il a deux moteurs. Hein. Un moteur gauche, un moteur droit. Un moteur pour chaque chenille, je crois. Ou peut-être un. Je sais pas. Je suis pas un pro dans les moteurs. Surtout allemand, en seconde guerre mondiale. Voilà. Il grimpe, il grimpe. Bon, c'est sûr que quand on lui demande une pente, il n'aime pas trop. Là. Parce que le moteur est assez puissant pour porter à une grande vitesse, donc 60, même. Passait pour le tir et tir en bout. Voilà. Oh, un petit Panzer 38 est là. Oh, bah zut, on tape la maison qui est juste là. On voit le petit bout. C'est un peu dur. Quand on est rouille, boum. Joli tir. Deuxième kill. Magnifique. Petite artillerie qui fait coucou. Donc, déjà 502 de dégâts. La M12 qui est cachée. Qui est trop long, qui est trop loin, je peux pas pouvoir vous montrer, mais il l'a, troisième kill, hop, bon il fait un peu le mange-miette, hein, ça, je vous le dis, mais c'est comme ça qu'on fait quand même de l'XP, voilà, Louis, le KV3 qui est au loin, voilà, Louis qui a fait son tour, hein. Il va servir de bouclier parce qu'il va se planquer derrière. Bien profiter de vos ouïes quand ils sont pas utiles avec le mauvais canon. Désolé, mais jouer au lowy avec ce canon, c'est pas très important.
Sauf que vous avez une grosse cadence, mais mieux jouer avec l'obusier. C'est comme les KV2 qui ont le canon du D150. Non. Là, il fait le branchette, boum, et c'est un 4-3, 4 kills. Mais il fait quand même ses pratiquement ses dégâts maximum à chaque fois. Hop. Boum. Un autre kill, cinquième kill, magnifique, c'est beau. Il a déjà 800 de dégâts. Bon, il a fait plus que ses points de structure, ce qui est déjà mieux. Et fonce, fonce. Voilà, on voit bien qu'il roule bien. Pas de problème de maniabilité. Tout dans les mains. Il restera un TD. Je sais pas pourquoi il passe par là. Hein. Début. Bref. Voilà. Oh zut. Le sixième kill n'est plus à te porter. Zut. Mais en fait, si, parce qu'il y a le shield qui a sauté à la flotte. Hein. Il se baigne. Hein. Il avait chaud. Il s'est dit. Pourquoi pas. Yalla. On l'attaque. Bon. Il se noie. Il se noie. Cromwell qui arrive en mode. Je suis un sous-marin. Ah, il l'a, il est limite à se noyer, il l'a eu. Et tout le monde est, tout le monde se donne. Voilà, magnifique. Parti. Voilà, donc il a fait une maîtrise classe 1. Ouais. Ça passe, c'est parfait. Avec gros guerrier évidemment, faucheur parce qu'il a fait un il a fait 3 kills d'affilée en mettant qu'un seul objet à chaque fois. Après, ses dégâts 1345 6 kills. Évidemment. Coup au but 69,23. Dégâts par détection. Voilà, il a fait. Il a détecté 612 de dégâts. Il a effectué 1345, comme je l'ai dit. Donc tous les dégâts pas tous les dégâts ont été vus. Voilà. Il n'est pas tout à fait top dégâts, mais il a quand même fait une bonne partie en tant que tier 6. Hein. Voilà, donc au niveau du détail sur les 13 obus tirés, 9 ont percé, 9 ont touché, 9 ont percé, magnifique, c'est parfait. Voilà, tir reçu 5, bon il a quand même un peu de blindage parce qu'il a quand même amorti 2 trop petits obus. Voilà, donc il a comme sur les 22 654 crédits de partie, il en a gagné 11 612. Et pour l'XP, il est en x2 avec 886 de base. Il a gagné 1799 XP et donc 27 XP de bonus pour avoir joué en peloton. Et bien sûr, j'ai su que l'XP en peloton ne sera pas continu. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le VK3001P. Donc si vous voulez m'envoyer des replays par email, maintenant il y a une petite page Facebook qui va se trouver dans la description. Enfin. Un compte Facebook qui servira pour ceux qui veulent pas utiliser Twitter évidemment, qui sera disponible, donc vous pourrez m'envoyer des messages, tout un tas de choses si vous voulez. Les replays bien sûr pas Facebook parce que ça passe, ça peut passer via le transfert de fichier comme vous, mais c'est mieux par email pour moi, comme ça j'y stocke tout dans un fichier de préparation. Donc pouce bleu, partagez, commentez. À plus et à la prochaine, c'était Exocrate.